De la educación de los niños depende el fin del machismo y la violencia contra las mujeres, señaló la cantante beninesa Angélique Kidjo, embajadora de buena voluntad del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. A la educación de garçons. Nous donnons vie, nous les femmes, à des filles comme à des garçons. C'est notre rôle à nous d'éduquer les garçons dès la naissance à comprendre qu'ils ont les mêmes droits que leurs sœurs. Qu'ils ne doivent pas être ceux qui les abusent, mais surtout ceux qui les aident à être des femmes fortes. Et tant qu'on ne fera pas ça, tant qu'on élèvera nos garçons en leur disant « Toi, tu as les droits, tu as tous les droits et ton petit frère, ta petite sœur n'a pas de droits, et ta petite sœur, tu peux la gifler quand tu veux, tu peux faire ce que tu veux de ta petite sœur », là, il y a un problème. C'est nous, les femmes, nous les mères, qui devons commencer à penser que l'inégalité des sexes, les violences faites aux femmes, doivent commencer à la maison, à l'éducation, dès le départ. La 4 veces nominada a los premios Grammy se encuentra en Bruselas para participar en las Jornadas Europeas del Desarrollo, donde llamó la atención sobre el problema de los matrimonios forzados de niñas, su actual tema de trabajo con UNICEF. Il y a des progrès qui sont faits, mais ils sont très petits, ils sont très lents. Parce que tout ça, c'est lié dans les traditions qui se faisaient avant, et ça se fait toujours. Il faut qu'on arrive à mobiliser les gens. En cuanto a la respuesta al problema, Kidjo afirmó que encontró en la Ciudad de México el mejor enfoque en un programa de ayuda a víctimas de abuso sexual financiado por UNICEF. Cet endroit, on a la justice, on a les services de santé, on a les assistantes sociales, on a la famille, on a au Mexique dans ce programme, il y a une approche complètement globale de la fille qui est violée. C'est-à-dire qu'elle raconte son histoire une fois. Et la justice qui peut poursuivre la personne, l'assistance sociale qui peut aider. Et si elle a un enfant, comment la famille aide cette jeune fille à s'en sortir. Moi, je trouve que c'est un modèle qu'on n'a pas encore eu le courage de mettre partout. Et il faudrait le faire. Parce que quand on demande à une fille qui a été violée de raconter son histoire plusieurs fois, elle revit le viol plusieurs fois. Et c'est ce modèle du Mexique, que j'ai vu à Mexico City, que j'aimerais vraiment, avec UNICEF, qu'on arrive à mettre partout. Con información de Marcia Bizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.